Bonjour et bienvenue à tous sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, vous êtes en présence du Droïtech et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Jason Guns sur Nintendo Switch. Et oui, encore un shoot 'em up, mais pas n'importe lequel. Je l'ai trouvé sur l'eShop au prix de 5,99€, vraiment pas cher, et je me suis dit pourquoi pas le prendre pour vous le présenter. Alors attention, jeu PEGI 16, pas n'importe quel jeu, je tiens à le préciser, donc ne pas mettre entre toutes les mains. Le jeu est full English, donc que anglais, pas de français, tout ça, et la taille installée sur ma Nintendo Switch est environ 196. Le tout installé. Le jeu est disponible depuis le 16-12-2019 sur l'eShop, donc autant profiter. Il a été développé et édité par Wreck in Grace. J'ai pas grand chose à dire sur ce jeu, à part qu'il y a 270 monstres et 43 niveaux qui vous attendent dans ce jeu, donc autant dire une durée de vie assez conséquente. C'est parti pour le let's play. Alors je me suis un petit peu paumé au début dans le jeu, je dois vous le dire. Donc comme je suis une bite, hop, on va tout de suite mettre ça en easy. C'est plus facile pour moi. Voilà, alors hop, là on peut choisir ses armes. Alors je vais essayer. Tac, spécial device, ici, donc là j'ai 100 000 Z, donc je peux acheter des trucs. On va essayer celui-là, on va faire buy, voilà, et je vais essayer de le mettre sur le front, voilà, voir un peu ce que ça donne. Hop, on va faire start level, et on va essayer. Allez, c'est parti. Donc là, je suis que sur Y pour le moment, est-ce que je vais avoir autre chose, je sais pas. Waouh. Que j'ai mis en mode facile, parce que sinon si j'allais vous faire un let's play complètement pété, je vous ai dit ouais le Droïtech il sait pas jouer et tout. Bon, c'est pas faux, hein, je sais pas jouer, mais bon voilà. Au moins que je vous fasse un truc tranquille. Donc moi ce que j'ai bien aimé, c'est surtout les petits bonhommes là, voilà, on peut les exploser et tout, c'est super sympa. Hop là c'est parti, on y va. Est-ce que je vais pouvoir l'avoir? Ah nickel. Merci à l'avoir. Hop, on y va, on attaque. Donc là je suis toujours sur Y. J'ai rien sur, sur les autres boutons. C'est dommage. J'aurais bien aimé en avoir un peu plus. Oh, ça pète là. Hein. Et là, je suis en mode facile. Ok, super. Ça a l'air de bien s'enchaîner pour le moment. Donc c'est assez mou, évidemment. Alors, en mettant le jeu en mode facile, on peut avoir que de la lenteur. Donc il doit être assez punchy en mode hard. À tester quand je pourrai. C'est tous les péter là, si j'y arrive. Non, je vais pas y arriver. Oula. J'ai fait de la merde, c'est pas grave. Oh, ça chauffe, ça chauffe. Oh là là, j'ai pété mon machin. Tant pis pour moi. Je vais peut-être pas aller loin. Bon, on aura essayé. Donc pas mal de sang, c'est pas mal. Ouais, bon. Donc c'est pour ça PEGI 16. Allez, on en refait une petite partie, ça va être un let's play assez rapide, j'ai pas grand chose à dire. Parce que du coup voilà, les shoot 'em up, bah on adhère ou on adhère pas déjà. Et puis après on aime ou on aime pas, hein. Il y a les scrolling horizontal, les scrolling verticaux. Après c'est affaire de goût. Là par exemple j'ai laissé en mode 4 tiers pour être tranquille. On peut les tirer si on veut, moi personnellement j'aime pas, je préfère le mode original. Dites-moi dans les commentaires si vous allez acheter ce jeu sur l'eShop. Donc je le rappelle, il est au prix de 5,99€. Qui est vraiment pas cher. Pour se faire plaisir. Après, la console, moi, pour moi, qui est vraiment dédiée à ça, c'est la Dreamcast. Il y a vraiment des bons shoot 'em up. Bon, qui sont peut-être pas arrivés non plus sur le territoire européen. Mais il y en a vraiment des bons. Hop. Là, voilà, hop. Donc c'est assez punchy, j'aime bien. Voilà, ça fume. Allez, casse-toi, toi. Hop, on y va. On déglingue. Je sais pas si je vais réussir à finir ce niveau. Wow, c'est chaud, là. Hein. Là, l'écran, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Hein. Ouais, en plus, j'ai mon arme qui chauffe. On va essayer de péter par là pour être tranquille. Là j'ai un power up. Ouais nickel. Oh, self destroy. Super. On continue. On attaque. Hop. J'essaie de vous faire quelque chose de bien. Ce qui est pas facile.
Voilà. Ah, ça bombarde de partout. Par contre, les effets spéciaux sont là. C'est vraiment magnifique. C'est fluide, j'adore. Allez, décroche pas tout de suite, toi. C'est pas le moment. Oula, fou, vous avez vu? Le missile qui est tombé là? Oh là 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 là, c'est chaud. Hop. Donc voilà, c'est ce que j'aime hein, dans les shoot'em up. Déjà, c'est le bordel. Et la difficulté. C'est surtout que les niveaux montent vraiment crescendo dans ces jeux-là. Et les monstres de fin, ils sont énormes à chaque fois à battre avec le pattern et tout. Si tu connais pas le pattern, tu peux rien faire. Oui, après c'est. Ouais, voilà, j'ai accompli l'émission. On a enfin fini l'émission ensemble. Voilà, ça vous donne un peu ce que donne le ressenti du jeu. Donc il faut prendre en compte que je suis en mode easy, mode facile. C'est pas un mode hard ou tryhard. Donc on n'a pas le même punchy, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de vous faire la découverte du jeu pour que vous puissiez vous faire votre avis en fonction de mon jeu. Voilà, tout simplement. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez ou si vous aimez pas. Chacun son point de vue. Si vous aimez pas, dites-moi pourquoi. Hop, voilà, ça y va là. Ah ouais, d'accord, direct. Non, bah non, tiens, bah par derrière, c'est pas mal aussi, hein. Donc on peut augmenter ses armes, là, je l'ai pas fait. J'ai pas fait non plus, hop. Ah, il y a le petit jeu aussi que j'aime bien, c'est les Metal Slug. Là, franchement, sur Neo Geo, une tuerie à l'époque. Et même là, hein, sur bande d'arcade, on peut récupérer les cartouches et tout. Hein. Et pour tous ceux qui ont gardé leur Neo Geo, tant mieux pour eux. Ah, il va me poignarder, lui. Bon, au niveau bande son, il n'y a rien à dire, le sound design est là, mais c'est toujours ce qui s'appêche rarement dans un shoot'em up, il faut se le dire. Wow. Ah ouais, quand même. Bon bah là, je les ai esquivés, comme ça je suis tranquille. Hop. Donc là, c'est très rock'n'roll. On n'est pas sur la même bande son que les derniers jeux qu'on a fait. Ouais, je le canarde, mais voilà, ouais, il m'envoie du lourd. Hein. Ouais, archi costaud lui. Ah non, tu vas pas m'avoir, toi. Pas rêvé non plus. Allez, casse-toi! Hop, là, ils descendent. On va peut-être réussir, je sais pas. Ah, bah là, j'ai perdu. Je viens de me faire défoncer. C'est bon, je passe au milieu. Nickel. Voilà, l'avantage du mode facile, c'est qu'on se fait pas baiser. Donc là, les deux, je sais pas si je vais réussir, hein. Franchement. Non, voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Donc là on était sur le niveau 2 du jeu. Moi personnellement j'aime bien. C'est rythmé, c'est punchy. La bande son est là, même si c'est pas la meilleure bande son que j'ai pu avoir hein, sur un shoot'em up. Mais voilà, ça donne envie. Là j'ai juste envie en fait, c'est de terminer le jeu tranquillement. Je sais qu'il y a 43 niveaux qui sont disponibles, donc autant en profiter, surtout pour ce prix-là. Un petit jeu tranquille. Vous l'avez vu. J'ai pas grand-chose à dire. Hein, je vais pas revenir dessus. Mais niveau maniabilité, il y a rien à dire. C'est ça se laisse jouer. Hein. Au niveau du sound design, c'est correct. Au niveau des graphismes, ça reste propre, c'est punchy, c'est éclairé, il n'y a pas de ralentissement, tout est nickel pour ce jeu. Voilà, je vous dis à la prochaine sur Agatha TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.